Salut à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve sur un petit jeu entre guillemets sur, je ne sais pas, hein, peut-être pas, sur le Game Pass Project Wingman. Ah d'accord, il a lancé tout seul, hop, on va appuyer avant que ça quitte. Hop, alors ça ressemble sur les photos à du Ace Combat, on va voir ce que ça donne, conquête. Donc il y a peut-être du multi, c'est ça? Qu'est-ce que ça donne? On va aller voir vite fait, juste regarder, on va pas lancer une partie. On va juste lancer un écran noir. Conquête peut-être la compétence à la main avec incessante d'ennemis. D'accord, c'est un mode survie. Spoiler de la campagne. D'accord. Bon bah alors non, on va pas se faire spoiler la campagne. Déjà, je sais même pas ce que ça raconte. Donc on va aller voir ce que ça donne. Je pense que j'aurai d'autres jeux à vous présenter de ce style. J'ai notamment Tom Clancy's Hawks, le premier qui est rétro-compatible, que je n'ai encore jamais fait, que j'ai acheté il n'y a pas super longtemps. Sur série X, il est compatible, du coup pas le 2 malheureusement, donc on verra ce que ça donne. Et peut-être un jeu d'hélico, on verra, on en reparlera. Paramètres. Oula, tout ça. Ok. Oups, bordel. Ok, on va laisser. On va laisser, on verra. Nouvelle campagne. Je mets en normal. Pas non plus trop en chier, hein. On a vu Ace Combat 7, il y a certaines missions. Voilà quoi. Alors, catastrophe planétaire a enflammé la Terre entière. D'accord. Matériaux volatiles nouvellement mis à jour associés à une activité sismique hors du commun ont peu à peu démantelé la civilisation. L'ordre mondial a été rompu. L'histoire telle que nous la connaissons a changé à jamais. Mais émergeant des cendres, une nouvelle ère a commencé. L'ère des machines. Non, je déconne. Des siècles ont passé. Des siècles carrément. L'humanité est maintenant dans la période. Oui. Après le cataclysme. Waouh. Ça valait le coup. D'accord. J'ai rien compris. Détachement de mercenaires. Agence de mercenaires. Unité Sicario. Team Hitman. Nom de code Monarch. Ok. Le fond est dégueulasse. On dirait un Pong en couleur. C'est pas fou. Alors. Montrez-moi le jeu, à quoi ça ressemble, est-ce que ça pique les yeux ou pas? La peau noire. Éliminer des corsaires, sécuriser les navires cargo et la Fédération Menex. Anyway, one last thing before the defense minister releases our contract and we move on to bigger and better. Hitman team, you haven't gotten all that much airtime this deployment. So you're taking point with this operation. Okay. We have confirmed the location of the Burlock Privateer headquarters off the coast on the southwestern edge of the Jesta Island chain. They're a mercenary group like us who unfortunately have turned to outright piracy. According to surveillance data, we have determined that they are the culprit of the recent high-profile hijacking of the Federation-registered cargo ship Mei Lynx. The Mei Lynx is supposedly carrying volatile cargo belonging to the Federation's Department of Global Energy and Sustainability Office. Why? Nothing specific from the Federation contact about the cargo. However, our orders are to retrieve it if possible, or to neutralize it if we can't. Votre petite photo voit pas grand chose. Attempts to negotiate for it have turned up with nothing, so we're going in. Hitman team, you are to approach the island from the south along with support and establish control over the area. Your objective is to eliminate any surrounding anti-air and resistance on the island. After that, secure an LZ for our operator group Ronin to ascertain the cargo. Once Ronin lands, maintain air superiority until the next stage of the operation is determined. Be aware that the Burlocks have other Merc pilots on tap, so enemy reinforcements could be a factor. Normally, we'd stay out of contact with any Federation-adjacent taskings. But this is the last thing we need to do for a current contract, so I'll let it slide. Okay. Two birds with one stone. Ouais. Enough, on right? Attaque, c'est bon. Now get to work. Dismiss. Merci. Ça sera bien. Start. Alors, pas de choix d'avion, rien. Démarrer mission. Briefing de mission. Fichier. Ah oui, mais non, c'est ça le briefing, je suis con. Non, 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 non. Non, non, pas deux fois, non. Non, une fois, ça suffit. Oh putain. Oui, zap, 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 zap. Bon bah, démarrer mission alors. Il n'y a pas de choix d'avion, on dirait. Pourtant, je sais qu'il y en a plusieurs. Fichier, paramètres, fichier. Faction, ouais, allez. Démarre. On va voir ce que ça donne.
Ah bah voilà. T21. C'est pas un MiG ça? Je sais plus. Je connais pas bien les avions. Ça c'est un F4 Phantom si je dis pas de bêtises. Ah bah TF4. Ah bah voilà, MG21 je pense, MiG21. Ça je sais pas. Ouais, on va plutôt prendre quelque chose de un peu plus... Hein? Ouais, je suis quand même. C'est pas trop mon truc les deux autres. Qu'est-ce qu'ils ont en stats, ça, réactivité des commandes? Vitesse max, tous pareil. Accélération, ça se vaut. Vitesse des roulis, celui-là va beaucoup plus vite, je pense. Ouais, je pense. Pas sûr. La barre est moins remplie, donc non. Je pense que c'est plus long. Peut-être acheter avec des crédits. Sélectionner une arme. Ah. Bombe non guidée, grande. Large rayon d'explosion. Empty, vide. D'accord, c'est ça à votre choix. C'est je prends rien ou je prends... Bah on va prendre ça. Choix des modules. Bah l'heure, oui, ok. Vas-y, on voit la sauce. C'est un peu curieux, c'est qu'on est des siècles en avant et on nous propose des avions qui sont plutôt quand même assez anciens, je pense. Je suis pas sûr. Je connais assez peu les avions de ce type, donc je sais pas s'ils sont vieux. Oui, bah on voit. Est-ce qu'il y a un petit tuto pour nous montrer les commandes? Oula. Ah oui. Ah, ça va mieux. Bon, graphiquement, ça passe pas mal. Ouais, ça a l'air plutôt réactif. Oh. D'accord, ils ont décidé de changer toutes les commandes par rapport à Ace Combat, ok, ouais. Ouais, peut-être que c'est pas si bête. Par contre, sous-titré, je déteste ça. Donc on accélère avec RB. Je sais pas si on ralentit avec LB et on fait gauche et droite avec LT, RT, les gâchettes. Je pense que c'est comme ça qu'il faut faire. On tire les missiles avec B. Bon, moi, j'imagine qu'on va tous les péter vite fait. Hein. Les bombes... non, je sais pas... On n'a pas droit à un tuto ou autre. Et turbulence. Merde! J'ai tiré trop tôt. Priorité, il y a des avions aussi, ok. Combien j'ai de missiles, j'ai pas vu. Ah putain, par contre, les commandes, du coup, je risque de faire des grosses conneries, moi. Waouh, j'ai failli manger le truc. Je mélange tous les boutons, parce que c'est pas optimal d'accélérer avec ALB. RB, je veux dire. Attends, viens voir. Franchement, non, c'est pas possible. Je sais pas qui a cette idée d'accélérer avec les boutons de tranche. Control map. Gaz. Inversé. Non, mais j'en ai rien à cirer. What? Qu'est-ce que tu me fais? Contrôle. Control map. Lacet. Donc, lacet, tu vas plutôt me mettre ça. Je peux pas changer. Texte. Qu'est-ce que c'est que ces menus de merde? C'est dingue. Cours plus zone morte. M'en fous. Est-ce que j'ai pas compris un truc? Assignation axe. Lacet inversé. Vux Y. Gaz, roulis. Pierre, il quitte tous les menus d'un coup. C'est agréable. Hein. Super agréable.
Voir caméra, activation. Oh là là, me dis pas qu'il faut un bac plus 10 pour réussir à trouver. Contrôle de novice. Oh là 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 là, c'est infâme. C'est infâme les menus, franchement. Je comprends pas, c'est que je sélectionne un truc à des moments. Ah, ça y est, je peux inverser comme ça. Ok. Ah. Oui, d'accord. C'est pas clair, hein. En fait, il faut prendre un truc et y déplacer sur un autre. Donc, voilà, donc tu mets les gaz là-haut, les lacets ici, c'est parfait. Tirer missile, la carte, pourquoi pas God Mode, je comprends pas trop le canon sur A. Eh ben, ça me semble bien là, c'est bon? On est Ah! Je sais pas combien il me reste de missiles, 172? Ouais, sauf que je suis pas bien placé là. Voilà. Ouais, je l'ai raté à mon avis. Ouais, il est pas passé. Il y a des petits avions qui me font la misère ou pas? Hein? Bouge pas mon coco. Tiens, on va te déglinguer toi. Voilà. Je suis pas sûr qu'il passe celui-là. Si, c'était peut-être un hélico. Anti-aérien en plus. C'est étonnant qu'il nous ait pas emmerdé plus tôt. Ouais, ça par contre c'est l'anti-aérien. Ouais. Il est bien loin lui. Ouah, ça pisse pas droit leur truc, hein. Ah, je touche toujours pas là. Ouais, bah on va utiliser les missiles, hein. Ouh, c'est un peu bas. Allez, au taquet. On y retourne. Anti-aérien. On va peut-être prendre un peu d'altitude. Ah, on me l'a pété. C'est un peu juste pour mettre le missile au dernier moment. Putain, la caméra par contre c'est la même que à ce combat et c'est pas fou hein, pour s'y retrouver. Allez, ça ça dégage. Toi aussi. Oh, ça va toucher le bâtiment ça. Non, c'est bon. Dernier. Au revoir. Oh, je suis piqué. Voilà. Ah. Qu'est-ce que c'est que ça a pété? Merde, le missile il a dévié trop tôt. Oh, waouh. Oh, l'explosion n'était pas dégueu. Peut-être pas très réaliste, mais... Mais pas forcément dégueu. Je sais pas d'où ils viennent les avions, là ils sortent du hangar peut-être. Ouh, il y a du people. Allez, on va en interception. En face à face, je suis pas sûr que ce soit une très bonne idée, mais. Par contre, un seul missile n'a pas suffi, j'ai l'impression. Manqué? Ouais, il passe pas. Bon, bah allez, on va en combat canon. Ouais, il tourne sec, le machin. Je sais pas ce qu'il a comme avion. Ah, lui, il est mort. En fait, j'ai un... Essayez voir, ça touche. Ah, il y en a un qui a touché. Ouais, c'est un peu loin là. Ouais. Ouah, mais il a fait demi-tour quand lui? Abusé.
sais plus comment j'utilise mes leurres. Tiens, un petit deuxième. Voilà, c'est cadeau. Ah oui, ça c'est la carte, d'accord, ok. Comment on fait les leurres au cas où? Ça pourrait être utile. Leurre, c'était... God mode? Non. Gaz, lacet... What? C'est dans les armes, peut-être? Module spécifique, peut-être là-dedans. Ok, sinon c'est dans les armes. Les bombes. Donc non, on reste sur les missiles. Donc peut-être sur le stick gauche. Ouais, c'est ça, le stick gauche. Bouge pas, mon pote. J'arrive. Ah, j'aurais dû le déclencher bien avant. Là. Ah, dommage. Oh, bouge pas, je remonte. Je suis pas sûr d'avoir 50 000 leurres. Ok, ça s'est pété. Il reste plus qu'un. Allez, viens en face à face, c'est pas une bonne idée. Ouh, elle est grande la carte. Hein. Qu'est-ce que t'en dis dessus là? Si j'allais te buter en combat canon, tiens. Waouh! Ouais, ils ont faim les potes. Hein. Ouh, d'habitude, ils envoient pas autant de missiles. Hein. Par contre, il va à quelle vitesse, là, le mec? Wouah! J'ai l'impression qu'il est bien plus rapide que moi. What? Allez, chope-le, bon sang! Ah, il me l'a piqué. Ah, les explosions, elles sont plutôt classe, hein. J'aime bien. Viens voir, j'ai peut-être mes petites bombes, là, à tester. Surtout là que ça peut être piquant. Ah, putain, la caméra, elle est chiante, hein. Elle se met pas bien pour... regarder derrière. J'ai loupé la tour. Ah non. Hop là. Vas-y, viens voir qu'on ralentisse. Arrête. What? Il a pas touché celui-là? Oui, j'arrive, j'arrive. Je voudrais éventuellement voir l'explosion, voir ce que ça donne. Waouh! Ah, c'est plutôt joli quand même. Hein. J'en ai plus beaucoup là, à force de mes conneries là. Hein. Tiens, un cadeau celui-là. Ouf! Allez, on va garder les dernières. Ah oui, la tour. Ouf! Ouais, c'est tout rouge. La belle bleue. Il y a comme avion. Je vois un flanker, je suis dans un F-15. Ça c'est peut-être un flanker, non je sais pas, je connais pas bien. Ah, j'arrive pas à regarder la caméra. C'est ceux qui arrivent en vert là? Ils sont là-bas.
pas leur tirer dessus, normalement. Alors, il a quoi comme avion? Allez, encore un petit peu. Et tu veux où? C'est un F-14? Waouh! Ouais, je crois que c'est un F-14. J'ai failli le voir de près. Ok. Moi, bon, ça se joue pas mal. C'est un copier-coller des combats, hein, faut être honnête. J'ai rien senti de différent. Our opportunities in this region have just about dried up. If no one objects, and your contract with Sicario is still in effect, pack your bags. I looked a little into the Cascadian situation. J'ai pas du tout lu du coup ce qui se passait après la mission. J'ai profité un peu des graphismes, même s'ils sont pas incroyables. Ok, 7910. Est-ce qu'on accède à un magasin avec les avions, voir ce qu'il y a? 20G, mission 1. Sicario is moving west, ladies and gents. Information coming out of country has been spotty, but well, let's just say there's a demand for people of our pedigree. The Federation's been eyeing a takeover of Cascadia's resources for years, as far as I remember. And it seems the Cascadians weren't going to take it lying down, based on what info has been leaked out. Bon, les maps, c'est pas foufou, hein, ce qu'ils nous montrent. Cascadia is a nation along North America's western seaboard, one of the largest on Earth. One of the most prosperous due to its abundant natural resources. J'aime pas cet affichage, c'est moche. I've never been, but I hear it's beautiful. A country with limitless energy at its fingertips. I know some of us who were born out here in the periphery can't even imagine it, but I'm sure this hits closer to home for some of you. Moving along. There's a communications blackout both in and out of the country. And as far as the international news goes, nothing is going on except a few riots. Based on the mercenary networks, however, that is a complete lie. A full-blown conflict is proceeding. Alors j'espère que je me ferai pas striker ma vidéo à cause d'un briefing de mission, comme Escombat 7. Ah ouais, il y a des briefings de mission qui sont sous licence. J'ai rien compris. I presume the Federation has the borders on lockdown to stop people like us from coming in. So stay on our toes. Bon, ok, on enchaîne sinon. Ils arrivent jamais, les jeux d'avion, à envoyer un peu de pep. Ça te chauffe peut-être Hawks 2, mais je me rappelle plus assez pour le confirmer. C'est toujours chiant. Qui dit, ouais, je s'en fous. Envoie le peps. Ouais, soyez prêts à affronter des gens, mais c'est le jeu, c'est pas la peine de me le dire. Vraiment, c'est du blabla pour du blabla. Je trouve qu'ils arrivent jamais à nous vraiment à nous captiver pour nous faire vivre quelque chose et que ce soit plus intéressant que ça. Alors, briefing. Ah non, pas briefing justement. Ah, je vois un FE4 au lieu d'un TF4. Traîneur. Entraînement et strike, c'est air sol. Et là, il est polyvalent anti-aérien. Ah oui, il a plein de choses à dispo. Ah oui, j'ai pris un des trucs qui avait le moins de. Ok. Bah, qu'est-ce qu'on fait? On change. Ça me botte pas des masses quand même. Hein. Pourquoi il est en rouge? Code de vérification. Acheté pour 7400. D'accord, j'ai ces deux-là. Et j'ai pas ces deux-là. 6800. Je sais pas, on fera peut-être 3 missions dans la vidéo. Ça dépend combien de temps ça dure. Allez, on va essayer un autre. On va prendre un autre truc. Air sol. Réservoir largable. C'est pas très intéressant, un réservoir largable, mais bon. L'heure. Est-ce qu'on sait combien j'ai de missiles en plus? J'espère que j'en ai, hein. MSTD, je pense que ça en est. Allez, on va tester comme ça, on verra bien. Hein. Tant pis qu'on essaie de voir plusieurs avions quand même. Allez hop, on envoie. Temps de chargement sont plutôt courts, je crois. Ouais. C'est pas moche hein, quand même, c'est pas incroyable, mais
façon, à ce combat 7 fait pas beaucoup mieux. J'intercepte des avions. Mais oui, il faut que je les abatte là parce qu'ils arrivent. Alors ils sont ouf là. Ah, on peut. D'accord, on a un truc pour cibler automatiquement. Ah, c'est cool ça. Merde, je l'avais pas acquis l'autre. Ouais. Il en a pris un dans la tronche, mais ça suffit pas, il en faut deux. Hein. Ah, l'enfoiré! C'est fait. Le deuxième, amène-toi. T'en as déjà pris un dans la tronche en plus. Ouais, la caméra elle est bien pratique justement pour retrouver où ce qu'il est. Tiens, le petit deuxième. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il y en a un à droite là. Ouais, ils sont près de chez nos alliés là qu'il fallait protéger. Ah merde. Ça va être un peu juste s'il est en virage. Ouais. Ouais, je lâche mes leurres 10 fois trop tard. C'est une fois que je suis mort, moi je lâche les leurres. Ah, j'ai pas réussi à l'avoir. Oh, je l'ai eu. Ouais, il est face à face là. Ça va pas le faire. Alors les leurres ils servent à que dalle hein. Allez, on va remonter un peu. Ouais, je suis en face à face, ça sert à rien. Ah si, ça a touché. D'accord. Il y en a d'autres qui arrivent. Mais ils sont là-haut. Commencez par ceux-là. Ouais, il est plutôt bien comme jeu, ça va, ça joue bien. Bon, c'est pas prise de tête à mon avis, mais... On voit que leur leurre il sert à que dalle, moi j'ai même pas besoin de déclencher les miens, bon peut-être que j'ai du bol. Vas-y, prends-toi les deux. Oh, il en a pris aucun le salaud. Allez hop, celui-là. Vas-y, passe devant, enfoiré. You? What? Allez, redresse. Allez, ça dégage. Tiens, vas-y, passe-moi devant, toi. Ah, c'est bien. T'es où? Mais il est où? What? Eh, ils arrivent à prendre des virages, il y a des fois... Bon, peut-être que dans la réalité, c'est comme ça, hein, parce que dans Rest Combat... C'est assez indulgent dans les combats. Allez, ça dégage. Raté. Allez, j'essaie de le foutre en canon celui-là. Ouais, c'est pas évident. Faudra peut-être que je tente aussi en vue intérieure un peu. Au but. Oh, voyons qu'il faut pas beaucoup de tirs canon pour l'avoir. Hein. Tant mieux, ça m'arrange. Oh bordel, c'est moi qui vais y passer. Ouh. Ah, j'arrive pas. Oh, pas mal. Pas mal, les combats canons sont... étaient pas toujours évidents dans Rest Combat 7. Là, ça passe plutôt bien, je trouve.
Ah, j'arrive pas à le centrer. Allez, ça dégage. Encore ? Salaud. Ah, franchement, ça me plaît bien. C'est pas... C'est un ice combat, mais voilà, ça se prend pas la tête. C'est vrai que les jeux d'avion, c'est quand même assez cool. Peut-être que je ferai un jeu d'hélicoptère. Le problème, c'est un peu le contexte. C'est Hind, pour ceux qui connaissent. Vous comprendrez peut-être pourquoi le contexte n'est pas le bon. Tester un petit peu la vue intérieure pour voir. Ah, on peut laisser appuyer pour le missile. Ah, c'est cool ça aussi. Waouh. Waouh. Ah ouais, d'accord. Ah, si on laisse appuyer en caméra intérieure, c'est chaud quand même. Hein. Il est où ce fumier? Wouhou! Oh, raté. Ah, c'est super cool quand même. Allez, ça dégage. Ah, je suis loqué. Oh, touché. Allez, prends le deuxième. C'est cadeau. Deux pour le prix d'un. Raté ? Je sais pas si c'est moi qui l'ai eu, mais... Il est où ce fumier? Amène-toi. Ah, oh là, qu'est-ce qu'il me fait la caméra là? Tu le vois plus là le gars. Hein, ah, il est déjà en train de faire demi-tour, c'est mort. Heureusement que j'ai des missiles à l'infini ou presque. Hein. On peut quasiment dire à l'infini. 140 je crois j'en avais. Tiens, t'arrêtes pas en bon chemin, prends-toi le deuxième. Voilà, ça c'est fait. Ah oui, il m'a tiré dessus lui. Ah, je vois vraiment rien en vue intérieure, j'aime pas ça. Je suis pas adepte de ça. Ouais. Ah, bouge pas, j'arrive. Touché. L'ennemi lui. Ah, c'est un bombardier. Ouh, toi tu vas prendre cher. Ah, je t'avais prévenu hein. Ah ouais, non, mais t'as pris cher, mon pote. Y'en a un là, donne-moi celui-là. Ouais, il me tourne le dos. Ah non, plus maintenant. Trop tôt, là, peut-être. Ah, le fumier, ils sont croisés. Tu vas le prendre, ton missile? Ah là. Qui c'est qui arrive en face là? C'est encore un bombardier ou pas? Non. Raté. Ah merde, putain. Il me l'a pas donné, j'ai appuyé le bouton, il a pas voulu me le donner. Je balance mes missiles trop tôt. Mais bon, c'est pour rigoler. C'est pas un jeu qui se prend la tête. Ah, toi tu vas foirer. Merde, j'ai cru que c'était un méchant lui aussi. On va se rapprocher un petit peu avant de balancer la purée. Je suis là. Waouh. Oh, ouf, bah il est mort. Il a pris cher. Allez, accroche-le. Youhou! Trop tard! Enfoiré! Youhou! Wouhou! Allez, dans les dents! Ah merde, il en a pris un seul! You? Bah,
Oh, raté. Je sais pas pourquoi je l'ai perdu de vue à un moment. Allez. Oui, il est parti loin. Hein. Waouh! Il arrive à prendre de l'angle comme ça? T'en bouge pas, toi. Voilà. Ça dégage. Encore? Ils comprennent pas, hein. Oh, il y a peut-être un boss en face. Il y a un paquet de monde qui arrive, hein. Un dirigeable intercepteur? SK-27. Accroche! Ah, ils ont réussi à décrocher direct, hein. Tiens, prends le deuxième, c'est cadeau. Voilà, ouais, les leurs servent à que dalle, hein. Strictement à que dalle, hein. Bien qu'il ait fait demi-tour. Ah, il tourne encore. Ah, j'ai pas assez pris. Ah là, ça dégage. Il est où l'autre? Là? Au-dessus, d'accord. Ah, il était déjà, putain. Pas coupé en deux, toi? Et là, ça donne quoi? Non, mais. Allez! Voilà, ça c'est fait. Ensuite. FC-8. C'est un gros, ça. Oh, ça a pété. Les explosions sont vraiment sympas. Oh, qu'est-ce que c'est que cette... What the fuck? C'est quoi ce machin? Ouais. Ça picote. Wow. Bouge pas, j'arrive. Youhou. Il n'y a plus rien. Tiens, dégage toi. Voilà. Chute, chute devant. Explosion au sol ou pas? Pas la mienne, hein, j'espère. Ouais, pas mal, hein. Qu'est-ce que tu bugs, toi? Plutôt sympa, moi, je trouve, ce petit jeu. Hein. Franchement, je m'attendais à quelque chose de vraiment assez merdique. Après, j'ai envie de dire, il n'y a pas besoin de grand-chose, quoi. Tu fais un décor pas trop mal, tu mets des avions qui volent, un gameplay qui est bon, et puis voilà, il y a moyen de s'amuser. Sans non plus que ce soit un super jeu, voilà, il y a de quoi s'amuser quand même, gratos dans le Game Pass. Je dois atterrir, c'est ça?
Allô? Je sais pas si je dois atterrir. J'ai pas le train. Si j'ai le train. Ah, j'ai le train! Atterri! Oh, ça va finir mal ça. Oh, ça va, la piste elle fait 50 km de long, c'est bon. On est dans Fast and Furious 6. Impeccable. Voilà, ça fait joli. Et je suis censé faire quoi? Ah si, ça y est, c'est bon. J'étais pas sûr. Hein. Est-ce qu'on s'en fait une petite dernière? Allez, on va peut-être en faire une petite dernière. Je pense que ça fait à peu près 20 minutes la mission. Ça devrait être pas mal. Ouais, on s'en fout. Hein. Je pense qu'on s'en fout. Comme ça, c'est une idée, mais 20G, mission 2, réussi. C'est bien, ça avance. Hello, Sicario. Et t'as bien une bonne personne, mercenaire. Otherwise known as Stardust. From now on, I'll be your point of contact with the Cascadian Independence Force. I was a National Guard pilot when it all went down, and now I'm working with you. We're pressed for time, so listen up. Cascadia's prosperity, our natural bounty, has always gone to support the world. For the last few decades, we have done this by our partnership with the Pacific Federation, providing aid and infrastructure to the less fortunate internationally. The Federation, however, in recent years, has used the resources we provided to forcefully expand by conquest and military strength. We could not let our cordium or geothermal deposits fuel this war machine. Cascadia as a nation sought independence from the Federation outright, in order to prevent the Federation from imperially expanding further. Unfortunately, visiblement, il y a des bateaux, il y a de l'antiaérien. J'aimerais bien un nouvel avion, ce serait cool d'en voir trois différents, ça pourrait être sympa. We refuse to let that stand. So, here's the plan for you mercenaries right now. Le plan, vous y allez, vous tuez, vous revenez. Voilà, c'est un résumé classique. When hostilities took off, however, the Federation seized the base from the National Guard. Hostile air. Our objective today is to take back hostile ground. Ouais, donc il y a pas beaucoup de d'aériens. Okay. 8h-12h local, je pense. Our transport aircraft carrying Sicario's airborne troop element will then vector in and drop on. Ça fout un peu la gerbe votre truc qui tourne aussi, ça sert à rien hein, les gars. On comprendrait pareil si ça tournait pas. C'est... Désolé, mais ça me saoule. Ça me saoule, ça tourne, ça fout la gerbe, c'est pas beau, c'est chiant. Non, je voulais les laisser, mais c'est trop chiant. Désolé. On perd du temps pour rien. Alors, SV-37. Ah, voilà. Alors, je sais pas ce que c'est. Ça a des airs de rafale, ça a des airs de mirage. Je sais pas du tout ce que c'est. On dirait un Mirage 2000 avec des ailettes de rafale. Je... À moins que ce soit un autre pays, carrément, SV, peut-être un SU-37. Mais non, ça ressemble pas à ça, un SU-37. Mais je pense qu'on va le prendre. Solde 17 000, il vaut 4 000. Ouais, ça me paraît bien. Il a deux emplacements. Air-sol, anti-aérien. Ouais, ça me semble bien. On n'a pas d'autres, hein. On a tous vu. Donc on a essayé celui-là, celui-là, le F4. On n'a pas acheté celui-là. On a celui-ci, ouais. Ouh là, le réacteur est carré à l'arrière. Ah, la modélisation, elle est pas toujours folle. Hein. Ah si, ça passe à peu près. C'est surtout que c'est une conception, à mon avis, un peu bas de gamme, on va dire, et un petit peu surtout non officiel. Les doubles roues à l'arrière, c'est bizarre, mais pourquoi pas. Alors, missile standard, missile anti-naval. Non, on va prendre les missiles comme ça, hein, s'il te plaît. 2 sur 2. Missile anti-aérien. Ah, d'accord. Ouais, mais il y en avait que 8 l'autre. Hein. Ouais, 8, attends, tu te fous de moi ou quoi? Non, non, pas 8. Hein. Anti-aérien, air-sol. Ou vide. Ouais, d'accord, on peut prendre ce qu'on veut. Missile air-sol à multiverrouillage. Ah, oui! Ah, je dis oui. Dès l'heure, c'est parti. Ah ouais, du multi-cible, ça c'est sympa.
À mon avis, c'est un mirage, mais je suis pas sûr. Ça fait très très mirage. Mais je connais pas assez les avions pour le certifier, mais quasi sûr, c'est un Mirage 2000 avec des ailettes de... Avec des ailettes de rafale. Ouais, ça y ressemble quand même beaucoup. T'enlèves les ailettes, c'est un mirage. Ah merde, moi je me disais merde, j'ai fait disparaître l'avion. J'ai fait disparaître le... ouais, l'avion. Oui, on s'en fout. C'était juste pour ça le décollage. C'était pas la peine, les mecs. Hein. C'était pas la peine. Hein. Alors. Qu'est-ce qu'ils ont comme avion, les copains? Des F-15 encore, hein, je pense. Ouais, il me semble que c'est des F-15. Hein. Oh, ils ont des ailettes à l'avant aussi, quoique, je sais plus. Alors. Allez, on va voir. T'arrives pas à accrocher les trois? Ah, vous... D'accord, vous faites ça. Ah merde, détruit, mais pas éliminé. Bah, il est invincible, votre tas de merde ou quoi, là? 366 missiles, par contre, je sais pas où est-ce qu'il a trouvé ça. Tu vas en prendre assez, là, ou... Merci. Ah, yonk, il est costaud, le machin. Alors, tu le chopes, l'autre? Ah, il l'a eu, lui, celui-là. Ok. On dégage. Alors, il y a pas mal de monde au milieu, là. Où sont les missiles, là? Youhou! Voir, ça plonge bien. Ouais, ils ont rien pris aussi. Et oh. Oh, c'est pas bon ça. Ouais, non, je me serais crashé si j'avais continué. Mais prends-moi la cible qui est à côté, espèce de gland. Mais il est con ou quoi? Il m'a pas pris la cible à côté quand j'ai changé. Lui, Sam. Ah, c'est celui qui boit pas. Monarch ready to fire. Celui qui boit pas, mais il coule pas non plus, hein. Ah, j'aurais dû appuyer sur Y plutôt que regarder ailleurs. Salut poteau. Nice. Tiens, ça c'est cadeau. Où c'est que t'es? Tiens, il est le petit frère. Voilà, ça c'est fait. Qu'est-ce qu'on a dans le coin? Bah, je suis allé un peu loin là. Hop. Les cibles. Ah, ah, le voleur, il me pique mes cibles, les alliés là, c'est nimp. Je suis pas sûr qu'il soit assez bas, lui. Si, ça passe. Un copain là-haut. Il est bien haut, lui.
Hésite, mon pote. Je vais t'aider, bouge pas. Voilà. Ah, il y en a un autre. Ah, raté. Allez. Oh, tant pis, allez, tu m'emmerdes. Cadeau. What? Les deux sont passés à côté? Tiens, ça c'est cadeau, toi. Oh, le tir canon, mais il va pas super loin, hein, par rapport à d'autres jeux. Tiens, un cadeau. Attends, quoi? J'ai pas compris. J'ai perdu mon l'avion contre qui je me battais, ou il est parti si loin que ça? D'accord. Ok, non, non, c'était bien, hein, c'était bien. J'ai essayé, moi. Bon, qu'est-ce qui reste sur la carte? Ouf. Tu l'as pris celui-là. Hein. Et celui-là aussi tu vas le prendre. Non? Mais si. Tiens, celui-là tu vas le prendre. Oh le salaud. D'accord. Ok. Ça fait bizarre parce que généralement il touche quasiment toujours les missiles dans ce combat. Oui. Ce qui n'est pas plus mal. Hein. Ça permet à jouer un peu mieux. Là, je fais que de la merde. Hein. Je suis désolé, je fais pas un très beau gameplay. Je me prends pas spécialement le chou. DV204. Qu'est-ce que c'est que ça? Le tuez pas, je veux voir ce que c'est avant. Qu'est-ce que c'est un drone? Waouh, j'ai failli le voir de près. Il est où? On dirait un vieil avion limite seconde guerre. Passez pas dans la trajectoire, les gars. Et tout que deux missiles? Ouais, y a des gros qui décollent. Oh! Ah, je lui ai déglingué le trou de balle, lui. Waouh! Ouais, j'avais pas vu qu'il y avait les cargos qui démarraient là. Ah putain, le gros de bouton. On va éliminer quand même quelques trucs là. Voilà, ça, ça dégage. Il y en a encore qui décollent ou pas? Voilà, ça, ça dégage. Il a pas voulu me choper ma cible, tant pis. Ah, j'ai pas réussi à changer le truc que je voulais faire. Je voulais changer d'arme, mais j'étais à peu près là quand même. Hein. Ah, il y a des avions qui vont décoller. Allez, ça dégage. Je crois où, là? Qu'est-ce qui reste? Un avion qui va décoller, là? Et quoi encore? Il est où l'avion là?
Bouge pas, j'arrive, t'auras pas le temps d'user tes freins. Ça a touché, ça. Ah, ça c'est mort. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous reste? Un SAM et un avion? Oh, c'est plutôt kiffant, hein, le combat canon. Dans ce jeu, c'est pas mal. Hein. Ça paye quand même d'aller les buter. Qu'est-ce qui arrive? Oh, ils ont l'air rapides. Ouh, c'est un touché, ça. Oh, is. Allez, prends le deuxième. Bon, ils sont pas très réactifs, hein, c'est des plots. Mais... C'est pareil dans S-Combat. Hein. C'est ça, fais demi-tour devant moi, toi, comme ça tu prendras les deux. Voilà. C'est cadeau. Ah, raté. Ouah, comment il a fait demi-tour sur la carte, l'autre? T'es pas sérieux, il a fait un demi-tour en 2 mètres. Ah, ça a touché. Bon, la difficulté est quand même assez simple, j'ai l'impression. Hein. Bon, pas que parce que c'est des plots, parce que c'était déjà le cas, mais... Ils m'ont l'air quand même relativement sympathiques sur certaines erreurs que je fais. Ah, ça dégage. Non, on va faire ça en intime. Ah, bah, par contre, je l'ai pas vu arriver comme ça. Y en a un qui est super loin là. Non, c'est un autre. Raté. What? Il est où? Allez, tu dégages. Allez, le dernier, cette fois. Face à face? Non. T'as abandonné. Oh, tu l'as pris quand même. Ouf. Mission accomplie? Eh ben voilà. Bon, c'est pas un gros jeu, mais franchement, c'est kiffant dans le Game Pass gratos. Je sais plus si S-Combat 7 y est encore, était quand même plutôt bien aussi. Mais... Franchement, il est assez sympa. Il est assez agréable, pas prise de tête. Voilà, on prend un avion, on défonce des autres avions et on s'amuse, quoi. Voilà, c'est pas... Ça fera pas un jeu incroyable, mais c'est plutôt sympa. Plutôt un jeu arcade, j'ai presque envie de dire, d'une certaine manière, en avion. Même si S-Combat 7, à mon avis, est également un jeu arcade. Premier, votre hangar est au coucher, super, trop bien. Bon, et ben on va s'arrêter là-dessus. On va laisser quand même le menu histoire de voir. Je vais peut-être essayer de regarder si on peut pas voir les différents avions, du coup spoiler l'histoire. Hein. On voit qu'il y a zéro cinématique, il y a rien. Donc on peut peut-être aller jeter un œil à Conquête, juste histoire de voir s'il y a tous les avions, peut-être. Ah, oh. Ah oui, il me demande d'atterrir. Ah bah, il y avait une piste d'atterrissage là. Par contre, il y a un grain de pellicule sur la bulle, je sais pas pourquoi. Oula, j'arrive... Putain, je me gourde de boutons. Je me gourde de boutons avec leur connerie du début, là. Je fais de la merde et je suis arrivé comme une balle. Ça risquait pas de marcher. Et il voulait pas freiner le truc, ça freine moins bien que dans
que dans Ace Combat, j'ai l'impression, mais pas sûr. Et où est la piste? Elle est là. J'ai voulu y aller vite, et en fait, j'ai perdu plus mon temps qu'autre chose. Là, ils freinent pas des masses, hein. Ah, le rebond. On voit mon ombre qui vole sur le bâtiment en face. Oh mon dieu, c'était pas beau. Oh, c'était pas beau. Je peux pas reculer. Ah, c'était pas beau. Oh la vache. Ah, c'est abusé. Bon, allez, on zappe. Ouais, c'est bien. Allez, on va zapper. On va juste aller voir si on peut trouver la liste complète des avions. Mission 3 réussie. Je sais pas combien il y en a. Était mission Sicario. Listen up. We're about to get started. A lot of mercenaries. Ça a lancé la mission suivante ou Bon, on va zapper. Je pense que c'est la mission suivante, ça va me saouler d'entendre le briefing. On va essayer d'aller au menu pour voir si on peut trouver la liste des avions éventuellement. Juste pour voir, comme ça, pour le fun. Nouvelle campagne, mission libre. Ouais, on s'en fout. Je voudrais voir combien il y a de missions, il est obligé de me faire un temps de chargement. Sérieux, gars? C'est ce délire. 1, 2, 3. Ouais, je sais pas combien il va y avoir de missions, mais peut-être pas des masses. Hein. Je sais pas, ça dépend. Peut-être qu'il y en aura beaucoup, c'est pas non plus. Mercenaires, vol libre. On peut choisir les avions là ou pas? C'est pas mal d'avoir un mode vol libre. Hein. Je sais même pas s'il y a ça dans. Ace Combat. Ah, j'ai débloqué au moins un nouvel avion. Deux. Oula. Alors celui-là, il me dit quelque chose. C'est pas un tornado, celui-là? Je sais plus. Je sais plus, j'y connais rien. Oula. Ouais. D'accord. L'empattement des roues est... un peu curieux, non? Non, je sais pas. On dirait une Twingo, là, l'empattement des roues. Hein. Ça me paraît un peu étrange, mais peut-être. Hein. Je connais peut-être pas du tout les avions, mais ça me paraît bizarre. Hein. Ça me paraît un poil bizarre. Je doute pouvoir jouer avec d'autres avions que je n'ai pas débloqués, du coup. Je ne pense pas qu'on pourra voir la liste complète de ce qui est disponible. Nouveau jeu, oui, on s'en fout. Nature du groupe. Du groupe. Ok. Ah, on a la liste complète. Donc on a celui-ci. On a donc normalement, si je me trompe pas, un F4. Ouais. Ça c'est le Mifal de 2000, je pense. Bon, ça c'est le même. Ah, on a un petit F16. C'est écrit F16, FC16, d'accord. Ça c'est un F16, il a pas l'air d'avoir été trop modifié. Donc le petit truc que je sais pas ce que c'est. Le MG31, alors je sais pas, je connais pas. Je connais pas du tout. Ça ressemble à M14, hein. Ouais, FD14, bah oui, oui, oui. Avec les ailes pliables, normalement. Bon, on voit que la modélisation, elle est vraiment pas folle, hein. Pouah, elle semble vraiment pas folle, hein. Même les textures des skins, pas fou. Hein. Ah, un MiG-29, c'est peut-être ça, les fameux, donc. Là, on le reconnaît, y a pas de souci. Un arrière. D'accord, à Sipiter, ils l'ont appelé. Le fameux avion français, si je dis pas de bêtises, décollage vertical ou horizontal. Le F-35 n'était pas le premier normalement à faire ça. Un F-18, très bien. Excellent, il y a les principaux, le F-15. Ok, donc ça devait être des F-15 hein, que j'ai vu tout à l'heure, je pense, je suis pas sûr, mais... Un MiG-27, oui, oui, oui. SK-37, oui, je sais pas ce que c'est ça du coup. Ça a l'air d'être le même, mais... ça a l'air d'être un F-15, ça, mais... d'un autre type. Ah, F-22, excellent! Très bien. Par contre, il m'a pas l'air très gros, parce que je crois que le F-22, il est énorme. Hein. Mais bon, pas très grave.
Ça, c'est un de ceux que je pouvais acheter dès le début. Et puis, il y a un autre arrière. Ah, ça va, c'est cool, il y a de quoi s'amuser quand même. Hein, même si, voilà, je pense que les missions vont se faire assez vite. Il n'est pas trop dur, il n'est pas incroyable. Mais c'est plutôt cool. C'est plutôt cool. Allez, sur ce, on se laisse là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et à la prochaine. Salut.